je m'appelle Johanna, j'ai 25 ans, je suis originaire de Brest. Je suis diplômée en histoire et sciences politiques. J'ai commencé par un stage et puis j'ai enchaîné avec un service civique pendant 9 mois au bureau information jeunesse à Brest. Moi, j'interviens surtout sur les missions de mobilité internationale, donc comment aider les jeunes à partir à l'étranger, que ce soit en volontariat, en stage, et apporter de l'information sur tout autre type de mobilité également. Dans le cadre de mes missions, je soutiens Agnès, donc, qui est responsable mobilité, sur la coordination des volontaires européens donc, qui sont à Brest voilà, dans leur volontariat, mais aussi voilà, des jeunes qui partent en stage à l'étranger. Donc c'est autant mobilité entrante que mobilité sortante. Et c'est aussi organiser des interventions, des formations sur les différentes opportunités de mobilité. C'est faire de la traduction, de CV, lettres de motivation, voilà, ce genre de choses. Et c'est aussi voilà, apporter un soutien plus général donc à l'accueil sur les espaces multimédia aussi, voilà, quelques après-midi par semaine. Avant d'être volontaire au Bige, j'étais aussi volontaire européenne donc en Roumanie l'année dernière pendant 6 mois. Et donc j'ai pu voir en fait les deux côtés de la mobilité, c'est-à-dire autant en tant que bénéficiaire, donc en tant que volontaire, mais aussi en tant que coordinatrice ou assistante coordinatrice, on va dire comme ça. Donc voilà, pouvoir voir quels sont les différents aspects voilà, d'un départ à l'étranger, aussi d'un point de vue administratif et logistique, etc. Ça m'a apporté des compétences plus techniques, on va dire aussi. Ça m'a permis de mieux définir mon projet professionnel, voilà. Comme j'étais aussi en recherche d'emploi, voilà, davantage cibler les organisations qui pourraient convenir. Et voilà, et ça m'a apporté de l'expérience. Et donc, à l'issue de ce service civique, j'ai pu trouver du travail donc dans le domaine des projets européens.